professeur Richard, ancien psychologue reconnu par la nation, mais maintenant à la retraite. J'ai décidé, avec l'aide de mes acolytes, de partir sur le sujet de l'Internet. Grâce à certains sites, excusez-moi, comme Doctissimo, il y a quelque chose d'autre, au féminin, plusieurs questions ressortent, et des questions très intéressantes. Il y en a une qui m'a interpellé et qui vous a interpellé. Cette question est la suivante. Pourquoi est-ce que j'aime la mangue? Je vais essayer de répondre à cette question sous deux variantes différentes. Premièrement, un sujet qui me concerne, la psychologie. Je vais parler de vos goûts psychologiquement. Ensuite, je vais partir sur un aspect plus scientifique, un aspect carré que tout le monde pourra comprendre. Alors, pourquoi vous aimez la mangue? Déjà, la mangue, les amis, n'est pas un fruit commun à nos terres, à nous les Français. Donc, ce n'est pas comme la pomme, un fruit où nous avons régulièrement, comme ça s'appelle, l'envie de manger une pomme, oui, ou à force, tout simplement, on va s'en lasser. Mais on va quand même l'apprécier. Alors qu'une mangue, on n'a pas l'habitude de la manger. Alors, quand on mange quelque chose qui ne nous est pas familier, une hormone va se déclencher. Et je vous laisse la trouver. Si, attention. Oui, c'est bien ça. C'est l'hormone de l'excitation. L'hormone de l'excitation est toujours suivie de l'hormone du plaisir. De vous à moi, quand le plaisir et l'excitation sont communs, c'est très rare que ce soit désagréable, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous allez manger une mangue, il va y avoir du coup de l'excitation, tout simplement. Comment vous expliquer? Vous allez être excité à l'idée de manger quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de manger. Et donc quand vous allez croquer dans ce fruit, il va y avoir une explosion en bouche. Vous allez être fier, vous allez revivre. Et en plus, si je peux rajouter, la mangue est un fruit sucré. 99% de la population mondiale aime le sucre. Donc voilà, c'est vraiment dans la tête que tout se passe au niveau du goût, là, de l'explosion, de tout simplement de l'univers au niveau de la mangue. Ce n'est pas qu'un fruit, non. C'est tout simplement une histoire, c'est quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de manger, nous les Français. Et là, je sais ce que vous allez me dire comme question. Oui, mais professeur, attendez, si ma mangue, je l'achète tous les jours au supermarché. Bon, si vous l'achetez tous les jours au supermarché, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais quand vous allez l'acheter, les amis, la première fois, excusez-moi, que vous allez l'acheter, il va y avoir quand même de l'excitation. Quand vous allez l'acheter, vous allez être en mode « Waouh, je veux vite rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, cuisiner cette mangue, ou même la déguster. » Donc, l'hormone de l'excitation, l'hormone du plaisir, et donc, hop, explosion de, tout simplement, de saveur, et donc, l'hormone du plaisir, aimer. Voilà, pourquoi j'aime la mangue? Bah, il y a cet univers de nouveauté, je dirais. Après, évidemment, sur le tas, ça va se lasser, comme toute chose. Là, je pense que déjà, j'en ai perdu un peu plus d'un. Mais ne quittez pas, je vais tout vous expliquer maintenant de manière scientifique. Vous avez eu la chance à votre naissance d'être créé avec une langue. Une langue et des papilles gustatives qui peuvent tout simplement distinguer le sucré, l'acidité, il m'en manque un, oui, l'amer évidemment. Et c'est impressionnant, il m'en manque un. Attendez, le sucré, le salé, l'acidité et l'amer. Voilà, je pense que j'avais oublié le sucré, excusez-moi. Donc, toutes ces papilles gustatives, tous ensemble, vont créer un goût et une variante. Pourquoi une variante? Tout simplement car les papilles gustatives, chez certaines personnes, sont développées différemment. Par exemple, chez certaines personnes, le salé va être plus développé, ou le sucré, ou l'acidité, ou l'amer. Donc, la variante va changer. Donc, par exemple, quand vous allez manger une mangue, les papilles gustatives rentrent en jeu, créent un goût, créent une variante, et tout simplement vont voir si, quand vous allez croquer, la mangue, tout simplement, la propriété de la mangue colle à la variante du goût. Et si elle ne colle pas, alors vous n'appréciez pas. Donc là, on peut dire que vous n'aimez pas la mangue, tout simplement. Alors là,
J'entends encore des petites critiques. Oui, non, mais professeur, je suis bien d'accord avec vous. Quand je n'aime pas quelque chose, je n'aime pas quelque chose. Mais à force d'en remanger, de manger la même chose, je vais commencer à l'apprécier. Je ne vais plus du tout avoir le... Je ne vais plus du tout, comment dire, avoir l'effet de « Ah, c'est pas bon ». Je comprends. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs. C'est tout simplement le changement. Quand vous allez évidemment manger quelque chose, quand vous êtes petit, par exemple, du café, je pense très rarement qu'un petit enfant de 6 ans aime le café. Mais quand il va grandir, il va tout simplement apprécier le café. Tout simplement, ses papilles gustatives vont évoluer, ses goûts vont changer du coup. Comme par exemple le corps. Et là, encore une critique va venir. Oui, professeur, je suis bien d'accord avec vous. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais quand je mange quelque chose et que je l'aime pas, même à force de manger, je ne vais quand même pas l'aimer. Et ça, c'est normal, les amis. Parce que même en évoluant, les amis, le corps, les papilles ne changera pas tout simplement la chose que vous n'aimez pas. C'est normal. C'est impossible qu'une personne humaine, normalement constituée, aime 100% des choses sur Terre. C'est impossible. Notre papille gustative, notre langue qui crée le goût, la variante n'englobe aucune globalité de tout ce qu'on peut manger. C'est absolument impossible. Donc, si je résume, pourquoi j'aime la mangue? Vous aimez la mangue car c'est un fruit qui ne nous est pas commun. Donc, l'excitation de la manger, l'hormone du plaisir qui se développe, mais aussi, donc vous êtes déjà en condition d'aimer cette mangue, mais aussi vos papilles gustatives. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Vos papilles gustatives vont créer un goût. Ce goût va très, on va dire, va possiblement englober la mangue, car c'est quand même un fruit sucré et beaucoup de gens aiment le sucre, donc va englober la mangue. Donc, pourquoi j'aime la mangue? Car les papilles gustatives ont une variante qui apprécie la mangue, mais aussi car c'est un fruit qui ne nous est pas commun. J'espère que malgré tout, j'ai réussi à me faire comprendre. Je sais que c'est compliqué de comprendre. On parle de psychologie, on revient sur du scientifique, on repart sur de la psychologie, je comprends. On est un petit peu sur, comme un boomerang, on ne sait plus où hocher de la tête, je dirais. Mais j'espère que ça a été clair. Donc, si ce n'a pas été clair, laissez-moi un commentaire, j'essaierai de vous le réexpliquer. Mais sinon, on se retrouve tout simplement la prochaine fois pour un nouveau sujet, tout simplement, qui sera beaucoup demandé. Et moi, je vous dis tout simplement, bon déconfinement à tous, mais faites attention aux gestes barrières. Théâtre Académie, le meilleur de toi qui sauve.